Cosmo64. Aujourd'hui, les potos, on se retrouve pour Starfield pour vous donner une petite astuce. Comment crocheter des serrures assez facilement, du moins ça marche pour moi. Premièrement, il vous faut des aligneurs, c'est très pratique des aligneurs. Et je vais vous dire ensuite. On va aller trouver un coffre ensuite. J'ai pris cette zone, j'ai pris cette zone-là. Tout simplement parce que je commence le jeu, mais ici c'est parce que je me compte qu'il y a des coffres à cacher à crocheter. Tout simplement. Du crédit, bon. Je détecte des formes de vie hostiles à proximité. Oui, c'est un truc, des poteaux que je vais vous donner pour crocheter. Honnêtement, moi personnellement, ça marche pour moi. Je sais qu'il y a bien du monde. Qui ont aimé Starfield. Il y en a d'autres qui ont moins aimé, tout simplement. Même si on attend toujours plus ceux qui n'ont pas aimé que ceux qui ont aimé, tout simplement. Mais bref, pour moi, Starfield, pour moi, est un bon jeu, tout simplement. C'est un bon jeu. C'est un bon jeu dans la lignée de Bethesda, mais c'est pas un bon jeu dans des next-gen, comme on dit, parce que vraiment, c'est le moteur graphique maison, tout simplement. Mais moi, il y a un truc que tout le monde vous dit, que les influenceurs ne veulent pas que vous sachiez, tout simplement. Et que si les jeux Xbox arriveraient chez PlayStation, ce qui arriverait pas tout de suite des One non plus, faut pas rêver. Les joueurs en tant que tels vont. Tous ceux qui crachaient sur Starfield vont tout d'un coup aimer le jeu. Mais c'est surtout ce que les influenceurs veulent pas que vous. Les influenceurs ne veulent pas que vous sachiez, c'est simple. C'est que PlayStation toucheront 30 à 35% puis le reste irait à Xbox. Fait qu'au final, quand je vois du monde râler pour ça, au final, dans tous les cas, l'argent revient à Microsoft pareil, tout simplement. C'est ça que je dis quand PlayStation vendront des jeux pour Xbox. Tout le monde se fout de ma gueule, mais au final c'est vrai, parce que à part les 30%, à qui vous pensez que l'argent va revenir? À Microsoft? Tout comme TFT, mais ça, peu d'influenceurs en parlent. Les influenceurs sont tous en mode en train de parler Microsoft et PlayStation aime Microsoft. Ok. Premièrement, les deux ne s'aiment pas, c'est juste que les deux sont là pour faire du pognon, tout simplement. Il faut pas se cacher, à l'heure actuelle, les exclusivités, c'est pas ce qui rapporte le plus. C'est quoi ça? Et ça, on va pas se le cacher non plus. Bon, vous voyez, là, je vais éliminer les ennemis qui sont là avant de crocher cette serrure, bien sûr. Qu'est-ce que je l'ai? Wow, bon. Je vise votre centre de masse. Ok, vous voyez. Wow. On va aller récupérer qu'est-ce que. Vous ne voyez pas d'inconvénient, en plus c'est d'autres ennemis, ça tombe bien. La violence diminue fortement l'espérance de vie. Ouais, c'est vrai ça, la violence diminue l'espérance de vie. Ah oui, c'est ça, bon. Freddy, ouais, voilà. Déverrouiller la porte. Là, je vais vous montrer un truc. Vous voyez les petites barres, les petites encoches. Moi, qu'est-ce que je fais? Puis c'est un truc qui marche à tous les coups. Je mesure avant, comme là, vous voyez, là, je vois que ça fit pas. Fait que je mesure, vous voyez, c'est là, ça fit pas. Lui, est-ce que ça fit?
Il y en a qui trouvent le système mal branlé, c'est vrai, il est mal conçu, mais dès que vous sachiez ça, dès que vous savez ça, vous savez cette astuce-là, rien ne va vous échapper, vous allez devenir le meilleur crocheteur de l'univers. Vous voyez, ça marche, vous voyez, tac, tac, that's it, bon. Maintenant, la même chose pour lui. Lui, je commence par lui, savoir où encocher des trucs, voilà. Hey boy, ok, ouais. C'est quoi ces conneries? Bon. Lui, on va essayer de le foutre quelque part. Vous voyez? Tac, tac. Voilà, c'est pas compliqué. C'est une astuce que je vous donne, honnêtement, aligner correctement les trucs. Essayez, voir si ça fit. Et si ça fit, comme on dit par chez nous. Si ça fit, allez-y, défoncez la serrure. Voilà. Voilà, ça c'est fait, voilà. Tac. Et boy, je me suis fourré sur celui-là. Des fois, ça se peut qu'on vous fourre aussi dans les alignures pour pas toutes les avoir du premier coup non plus. Et bref, j'ai plus d'aligneurs non plus. Donc voilà, c'est comme ça dans le fond qu'on fait, c'est que faut toujours essayer de mesurer, si les coches correspondent bien avant, puis ensuite un coup vous êtes sûr, évidemment que vous soyez sûr, ne faites pas comme moi, vous allez gaspiller des aligneurs. Regarde, là j'ai trouvé un autre aligneur ici. On va aller défaire le petit coffre parce que moi ça me tente pas de finir ce tuto sur une mauvaise note. Évidemment, j'aime pas les mauvaises notes, tout simplement. Voilà, on va aller recommencer. J'aime pas, c'est pas vrai que ce petit con de coffre va avoir raison de moi. C'est pas vrai, mais bon. Voilà, bon. Voilà. Comme j'ai dit. Plutôt. Oh, attends, on va checker. Attends, lui correct. Ouais, bon. Bon, ouais. Ok. Là, vous voyez, des fois, on est un peu dans une petite impasse, des fois. Des fois, ça peut arriver. Toujours d'être dans une petite impasse, des fois, ça peut arriver. Vous voyez. Quand ça arrive, vous essayez de trouver le bon, normalement. Vous voyez, là, ça fit. Vous voyez que ça fit. Ça va fitter là. Vous voyez, tac, tac. Vous voyez, that's it. Vous voyez, d'autres aligneurs. La même chose en haut.
Voilà, j'espère que ce petit tuto vous sera utile des fois pour crocheter. C'est une astuce que j'ai développée dans Starfield et que je vous transmets. Autrement dit, des fois ça filtre, des fois ça filtre pas. Mais toujours mesurer avant de valider le crochetage. Ça va vous éviter, vous assurer que toutes les croches, les verrous s'alignent bien avant de valider. Ça vous évitera de gaspiller de précieuses ressources. Les aligneurs sont des trucs. Nous pourrions faire usage de son contenu si vous disposez de et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. Vous voyez, aligneur. Vous voyez, ici, vous avez trois aligneurs, c'est parfait là. Cartouche aussi ici. Non, du spaghetti en sauce, j'en veux pas. Bon, ok, là, on va refaire la même affaire, vous voyez. Là, vous avez ça. Vous avez ça. Ça, c'est hyper facile. Vous voyez, vous avez les deux encoches là. Et vous avez les deux encoches là. Vous faites tac, tac. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Bon, voilà. Bon, sur ce, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous sera utile dans Starfield, savoir comment aligner. C'est une vidéo que je fais un peu tard, oui, je m'en excuse, car tout simplement, je ne viens que de découvrir ce truc tout récemment. Je viens juste de découvrir ce truc tout récemment. Et j'avais d'autres aussi trucs au programme. Mais bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si je trouve d'autres astuces sur Starfield qui pourraient vous simplifier la vie, je vous en ferai part aussi également. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Gizmo64. Je vais saver. C'était Gizmo64 pour une petite astuce sur le crochetage en Starfield. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous sera utile. Je vous souhaite à tous une agréable, excellente journée, un très bon ou fin de journée, tout dépendant de votre fuseau horaire. Et je vous dis, une joyeuse Pâques. Profitez de chaque moment avec ceux que vous aimez tant que vous les avez. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Portez-vous bien, paix, santé, prospérité. Et je vous c'est temps festif. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. C'était Gizmo64. Allez, ciao les amis.